Are you coming home? Paris, 27 juillet 83. Cher Jean-Marie, je crois que malgré notre commun accord d'éviter les démonstrations verbales, il serait bon de signaler, d'une façon qui reste à trouver, que ton film ne montre pas du tout des travaux successifs, mais bien des recherches simultanées, même si elles apparaissent comme différentes les unes des autres. C'est justement cette hétérogénéité de l'ensemble qui donne son sens à chacune des directions particulières de mon travail. Bien sûr, il faut prendre 5 minutes pour dire que l'hétérogène, le polymorphe, ont droit de cité. La nature est polymorphe, la vie est polymorphe, elle se développe par différenciation inlassable. Ne jurer que par l'unité est une vieille habitude, locale et circonstancielle, mais qui n'est qu'une habitude. Une croyance qui s'est imposée il y a 2500 ans, mais qui passera. On peut s'arrêter à la disparité apparente des formes et ne voir que l'hétérogène. Mais il y a aussi plus profondément des ponts qui relient entre elles les différentes directions de recherche. Ils ne se veulent pas facteurs d'unification, ce sont simplement des liens souples, des passages d'un univers possible à un autre, tout aussi possible, même si des lois très différentes les régissent. Mettre l'accent sur l'hétérogène et s'en trouver bien, ou s'en affliger et pleurer la perte de l'unité, ou au contraire mettre l'accent sur les ponts et s'en réjouir parce qu'on s'imagine la retrouver, n'est qu'une question de point de vue, tout à fait relatif. Et l'affrontement entre la multiplicité et l'unité perd tout sens si l'on conçoit qu'il puisse exister des ensembles qui ne relèvent ni de l'une ni de l'autre, mais de la globalité.
Premièrement, à partir de combien de grains a-t-on un tas? Deuxièmement, quand on voit le tas, ne pas oublier de voir le grain. Et voyant le grain, ne pas oublier le tas. Troisièmement, le grain fait indiscutablement partie du tas, et pourtant il continue d'exister indépendamment. Quatrièmement, comment le tas serait-il une unité, alors que je peux indifféremment lui ajouter ou lui retirer des grains? Cinquièmement, à partir de combien de grains a-t-on une dune? Un tableau est un grain et un tas à la fois. Thank you.
Chacune des branches qui constituent un fagot ne perd pas sa singularité, même si je ne vois que le fagot.
L'erreur est aussi grande de ne voir que le fagot, sans chacune de ses branches, que de voir la branche seule, sans son fagot. Si l'on peut voir à la fois chacune des branches dans sa spécificité et le fagot qui résulte d'elles toutes, on s'affranchit de l'illusion de l'unité et l'on voit le fagot simplement comme globalité. La tenace manie de vouloir constituer les choses en ensembles unifiés, la physique nous en montre maintenant la naïveté, puisqu'elle nous rappelle qu'il n'y a pas d'objet, mais une mouvance universelle et sans répit.
Le monde n'est que l'enchevêtrement de circulations en tous sens d'énergie, un océan infiniment agité de courants énergétiques et d'interactions continues, impliquant à chaque instant, en chacun de ses points, l'univers tout entier. Le physicien des particules subatomiques dit « Une particule n'existe que parce que toutes les autres particules existent à la fois, au point qu'une particule ne peut pas recevoir d'assignation ni spatiale ni temporelle. » Comment donc avoir encore la prétention de former des totalités stables, cimentées d'une unité qui est pure fantaisie humaine, une illusion commode qui vient rassurer dans l'impossibilité ou la peur de voir l'univers dans son enchevêtrement infini, d'entendre le monde dans sa globalité foisonnante, en somme de voir à la fois la branche et le fagot, et de voir comment la branche fait le fagot sans que le fagot défasse la branche. I'm